A modern manufacturer has to think differently. So it means, for example, we don't do handwork for every single steps. We use machines when it's needed, and we use the hands when it's needed as well. So we have to think about watches in a way that we want to improve every processes in order to get a final watch which is perfect. Ulysse Nardin travaille sur deux pôles, c'est le futur, comme la fabrication des échappements silicium, et sur la tradition, notamment dans les cadrans émail, qui ont été fabriqués et introduits dans l'industrie horlogère il y a plus de 300 ans, raison pour laquelle on maintient cette tradition, et on la maintient par la formation, où on a trois apprenants qui sont actuellement dans nos locaux et qui apprennent le métier. La collection Ulysse Nardin est composée de 5 lignes. On a les lignes marine, diver, classique, exécutive et freak. Ces deux premières lignes, marine et diver, défendent le territoire de la mer, qui est le territoire Ulysse Nardin. La ligne classique est là pour la tradition horlogère. Et les deux dernières lignes, exécutive et freak, défendent l'innovation, qui est une culture chez Ulysse Nardin. Le rôle de mon équipe chez Ulysse Nardin est le développement produit. On travaille sur toutes les phases du développement produit, le design, la construction habillage, le management de projet et le marketing produit. Quand on dit design du produit, ça veut dire le design entier de la totalité du produit, la boîte, le cadran, les aiguilles, le bracelet, y compris la boucle et même les composants du mouvement, puisque chez Ulysse Nardin, on travaille sur des pièces avec des mouvements squelettes et autres produits de cette typologie. Et voilà. L'objectif dans le développement d'une nouvelle montre, c'est d'intégrer pleinement l'ADN d'Ulysse Nardin. C'est de développer un produit qui s'intègre dans la collection et qui ait le meilleur positionnement possible. Mais un élément très important aussi, c'est le time to market. C'est d'être rapide et réactif pour arriver à temps sur les marchés. Les éléments reconnaissables dans la collection Ulysse Nardin sont typiquement la plaquette latérale avec le numéro unique d'identification de la montre. On a aussi l'élément sur les bracelets caoutchouc qui équipent nos montres, qui est un signe distinctif et reconnaissable de très loin. Et puis aussi la couleur bleue, bien entendu, qui est la couleur de la mer et qui est la couleur phare sur toutes nos lignes Ulysse Nardin.